tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu classique de BookTube, c'est-à-dire que je vais filmer une page pour le Cold Winter Challenge. Donc, j'avais dit que je faisais pas de challenge, ce qui est vrai dans l'absolu, mais j'aime bien faire des pages, j'aime bien faire des listes, et voilà, ça m'a fait envie. Je ne sais pas si je vais vraiment participer, vraiment comptabiliser, vraiment, comment dire, respecter tout ça. Mais en fait, peu importe, ça m'amuse de faire une pale. Si je le fais, que j'en ai l'envie, que voilà, je comptabiliserai, tant mieux. Sinon, ben, c'est pas grave. Et puis, au moins, j'aurais fait une pale. Et puis, ça m'aura bien amusé sur le moment de la faire. Voilà. Donc, je vais pas vous redire ce qu'est le Cold Winter Challenge. Il y a la vidéo de l'enluminé qui fait ça très bien. Moi, je vais juste vous dire les livres que j'ai choisis par catégorie, sous-catégorie du coup. Je n'en ai pas mis énormément, j'ai vu que notamment Pénélope en avait mis 3 par sous-catégorie, ce qui est en fait plutôt malin parce qu'au moins on est à peu près sûr d'en lire au moins un des 3 à chaque fois, mais en fait vu que j'emprunte un peu au fil et que je lis beaucoup de livres empruntés, je trouve ça un peu compliqué d'anticiper quel livre je vais emprunter à tel moment, enfin voilà. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, j'ai magouillé ou avec les choses que j'aurais envie de lire potentiellement ou que je compte m'acheter dans les mois à venir, enfin voilà. Et puis, bien advienne que pourra, on verra. C'est parti. On commence tout de suite avec le premier menu, donc magie de Noël. Donc la première sous-catégorie de ce menu, c'est coupe de champagne, avec les mots-clés amour, amitié et adulte, donc sexualité en gros. Donc dans cette catégorie, sans aucune surprise je pense, puisque je l'ai aussi classé, enfin je l'ai aussi utilisé pour dévorer les tous. Donc lui, je suis sûre de le valider pour le coup. C'est le tome 3 de Cuchiel parce que il y a de l'amour, il y a de l'amitié et il y a du sexe. Ça valide tout, hein, donc c'est très bien. Et comme je suis sûre qu'on va le lire relativement rapidement avec Pénélope, alors a priori décembre ou janvier, mais enfin non, pas très très longtemps, je sais que lui d'office il sera validé. Et puis comme je compte bien pour le coup valider tous mes Pokémon, voilà. Ça me va très bien. Deuxième sous-catégorie, c'est un chant de Noël. Donc on est sur contes, réécriture de contes, mythologie, légende, etc. Donc c'est une sous-catégorie qui revient pas mal et c'est vrai que j'ai réalisé qu'en fait c'était pas forcément toujours évident. Et au premier abord j'ai du mal à trouver des choses et en fait en me creusant un peu la tête, je me dis mais si en fait, j'en ai plein. Enfin... Donc du coup, j'ai mis dans cette sous-catégorie Circé de Madeline Miller, parce que pareil, je l'ai, je sais que je vais le lire. J'avais envie de mettre, je vous mettrai, je sais plus le titre exact, de Flore Vesco, mais en fait je suis déjà en train de le lire et on n'est pas le 1er décembre, donc bon, bah c'est râpé. Hein. Du coup, ce sera Circé, je pense que Circé risque pas d'y passer avant le 1er décembre, donc a priori c'est bon. Je n'ai pas vraiment besoin, je pense, de vous faire les résumés à chaque fois, je sais pas trop. Que vous les connaissez pas tous. Pour Circé, on est dans la réécriture du mythe de Circé. Je crois que ça commence de son enfance et ça va jusqu'à peut-être l'histoire qu'on connaît avec Ulysse, ce qui ne m'étonnerait pas puisque c'est ce que Madeleine Miller a fait dans le chant d'Achille, donc je pense que c'est un procédé peut-être qu'elle doit réutiliser. Après on m'a dit que Circé était très différent du chant d'Achille, donc à voir, mais qu'il était aussi très très bon, donc voilà. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. La troisième sous-catégorie, c'est calendrier de l'Avent. Donc c'est lire un livre sans avoir lu le résumé du tout. Là, ça a été un peu compliqué parce que j'avais vraiment pas envie de tricher. Même si je lis pas les résumés, il y en a plein, je sais de quoi il parle en fait. Donc du coup, j'ai un petit peu l'impression de tricher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un livre en cherchant sur le shop Kobo là. J'ai trouvé un livre qui avait l'air sympa, enfin sympa, je sais pas si c'est le mot, mais qui m'intéressait, le titre m'a interpellée, la couverture m'a interpellée, je vous mets là. Et du coup, je l'ai acheté, il était à 2€ je crois, et je me suis dit, je lirai ça et on verra bien. Je pense que c'est un thriller, mais j'aime bien parfois, de temps en temps, un thriller. Donc, La sorcière de Camilla Läckberg, dont je ne sais absolument rien, ni du livre, ni de l'autrice, si ce n'est que, vu la collection, je pense que c'est un thriller, voilà. J'ai envie, et peut-être le ferai-je, mais pas dans l'immédiat, de me faire un petit challenge, aller en librairie, m'acheter un livre, peut-être juste un poche, hein, voilà, mais juste sur la couverture et sur le titre, et, ou sur l'auteur si je connais l'auteur, mais sans avoir déjà entendu parler de ce livre, ou alors en ayant oublié ce qu'en avaient dit les gens qui en ont parlé. Ça me plairait bien de faire ça, je suis passée vite fait en librairie ce matin, et il y en avait quelques-uns qui me tentaient bien. Mais bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, c'est pas dans l'immédiat. De toute façon, le challenge, c'est au moment où je tourne, dans une dizaine de jours. Donc,
c'est pas pressé, j'en ai déjà beaucoup à lire, donc voilà, on verra. Le deuxième menu qui s'appelle Yule comporte 4 sous-catégories, j'allais dire 3, mais non, il a bien 4 sous-catégories. La première sous-catégorie, c'est Au coin du feu, donc qui a pour mot-clé un livre feel good ou une relecture. Donc là, j'ai casé un livre que je n'ai pas encore physiquement parce qu'il est chez ma mère et que mon frère va me le ramener. C'est Artemis Fowl, le tome 1. J'ai lu Artemis Fowl il y a très longtemps. Je pense que je devais être au collège, je devais être en 6 ou 5e. Et je me souviens parfaitement de cette sensation qu'on a quand on est jeune et qu'on lit un livre et qui nous emporte. Ça m'avait fait ça avec Harry Potter aussi, où vraiment on est emporté dans un truc incroyable qui nous dépasse. Et ça m'avait vraiment fait ça et j'ai très envie de le relire. J'espère que je ne serai pas déçue du coup, mais je me dis qu'à l'occasion je pourrais peut-être en faire la lecture à mon fils. Et du coup ça ferait une lecture et pour moi et en même temps une lecture à voix haute avec mon fils. Donc ça peut être sympa. Concernant les résumés d'Artemis Fowl, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Je ne sais pas si c'est connu ou pas en fait Artemis Fowl. De mémoire, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, c'est Artemis Fowl. Je crois qu'il est orphelin, il me semble. Ou alors il n'a plus que sa mère peut-être. Et il cherche à entrer dans le monde du petit peuple qui vit sous terre. Je sais plus quel type de créature c'est. Est-ce que c'est des nains? Est-ce que c'est des fées? Je crois qu'il y a les deux. Enfin, je sais plus très bien. Et c'est un garçon qui est hyper intelligent, qui est surdoué. Et voilà, il va y avoir des aventures magiques en gros. Vous voyez, c'est très très flou le résumé. Je me souviens plus des sensations que j'ai ressenties en le lisant quand j'étais jeune que de l'histoire en elle-même. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de le relire aussi. Ensuite, deuxième sous-catégorie, danse de la fée dragée. Donc là, on est sur les mots-clés. Fantasy, fantastique, onirique, rêve, enfin voilà. Donc moi, j'ai casé. Qui a peur de la mort? Pourquoi? Parce que c'est de la fantasy. C'est pas du tout onirique, je pense. Je sais pas trop, en fait. Mais bien sûr, on est sur de la fantasy. Et puis, j'ai très envie de le lire, en fait. Hein, parce que le problème que j'ai, c'est que j'emprunte beaucoup de livres. Donc je dois, en priorité, lire les livres que j'emprunte. Puisqu'il faut bien que je les rende. Et du coup, je lis pas les livres que je m'achète. Ce qui est quand même pas banal. Donc là, j'aimerais bien quand même prendre le temps de le lire, peut-être pas dans l'immédiat immédiat, parce que j'ai encore emprunté 15 000 livres ce matin, mais très prochainement. Donc, voilà. À part de la mort, j'ai lu le résumé rapidement, donc je me rappelle plus très bien, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que c'est l'histoire d'une jeune fille. Donc c'est sur le continent africain post-apocalyptique, et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été violée par peut-être des ennemis ou par des gens de sa communauté, je sais pas. Et qui est rejetée à cause de ça, et je crois qu'il y a une histoire où elle va développer des pouvoirs magiques, enfin c'est une sorcière en fait, quelque chose comme ça. Bon voilà, je me souviens plus très bien, mais en même temps ça me convient parce que j'ai pas forcément envie de trop en savoir, trop d'attentes en général, c'est pas bon, j'ai tendance à être un peu déçue. J'aime bien vraiment me lancer sans trop en savoir. Troisième sous-catégorie du menu, c'est Iceberg avec pour mot-clé secret, secret de famille et mystère. Donc pareil, sous-catégorie qui m'inspire pas des masses. J'ai directement pensé à Kate Morton, mais j'avais pas envie d'acheter un livre. Donc je me suis dit, bon, tant pis, Kate Morton, non, puisque j'ai lu tout ce que j'avais d'elle. Et là, je me suis dit, en fait, j'en ai trouvé un en boîte à livres il y a une semaine maintenant. Donc c'est Le secret du mari de Liane Moriarty. Donc là, je pense que niveau secret de famille et secret, on est parfait. Et j'ai aussi peut-être à voir casé Rebecca, que je veux lire aussi depuis un bout de temps. Et pareil, je pense qu'en termes de secret de famille, secret, peut-être il y a quelque chose à exploiter avec ce titre. Donc Le secret du mari, si je me trompe pas, j'ai pas relu le résumé, c'est l'histoire de cette femme qui trouve une lettre dans le grenier de son mari où c'est écrit à ne lire qu'après ma mort. Et évidemment elle va avoir tout ce dilemme de se dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas quoi. D'un côté la curiosité, d'un autre respecter la volonté de son époux, enfin voilà. Et bon alors à mon avis elle le fait, hein, sinon il n'y aurait sûrement pas d'histoire, mais bref, à voir. Quant à Rebecca, c'est l'histoire d'une jeune femme qui épouse un homme en deuxième noce, enfin du moins lui, ce sont ses deuxièmes noces, puisque sa première femme est décédée, elle va habiter dans le château de cet homme, qui est un homme apparemment un peu sombre, un petit peu effrayant, un peu bizarre. Elle va, donc la jeune femme, la nouvelle épouse, va être hantée par le fantôme de la première femme de son mari, qui s'appelle Rebecca. Et donc, alors, hanté, est-ce que c'est hanté littéralement ou est-ce que c'est hanté juste elle dans sa tête? Je sais pas trop, tout ce que je sais c'est que tout lui rappelle la présence de cette femme et qu'il me semble qu'elle va aussi se poser des questions par rapport à la mort de cette femme, enfin voilà, bon. Connaissant Daphné du Maurier, je suis pas inquiète, hein. C'est quand même une très très bonne écrivaine, autrice, et c'est toujours assez génial ce qu'elle fait. Je suis désolée si je cligne des yeux, mais j'ai le... Vous savez ce ciel blafard d'hiver là qui est très blanc et qui brûle les pupilles
Voilà. Donc du coup, je papillase un petit peu. Quatrième sous-catégorie, c'est Reine des Neiges. Et donc, les mots-clés, c'est femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Pareil, en fait, je me suis... Dans l'absolu, j'ai plein de trucs. Mais j'avais envie de choisir un petit peu quelque chose... déjà que j'avais, pas que j'avais... qu'il fallait que j'achète. Et puis d'être un peu sûre de moi, en fait. De pas faire trop de suppositions. Du coup, j'ai fini par me rappeler que j'avais acheté, il y a fort longtemps, en numérique, Boudica de... Del Socorro, c'est quoi son prénom? Je sais plus. Bref. Donc Boudica, c'est l'histoire d'une femme chef de clan durant l'Antiquité qui est picte, je crois, peut-être. Pas sûr, non, peut-être pas picte. Je sais plus. Mais bref, sur l'île de Bretagne, donc l'Angleterre actuellement, et qui va se battre contre l'armée romaine parce qu'il me semble qu'ils ont enlevé sa fille ou violé sa fille, quelque chose comme ça. Et donc voilà, là je pense que niveau femme de pouvoir, on est bon. Niveau sorcière, je peux aussi peut-être caser du coup qui a peur de la mort, donc avoir. Je me souviens plus des consignes si un livre peut valider plusieurs sous-catégories. Je crois que oui, mais je suis plus sûre. Bon bref, je re-regarderai, mais voilà, vous voyez, j'ai plusieurs options. Troisième menu qui s'appelle Hiver sombre. Donc il y a trois sous-catégories et je vais vous donner tout de suite les intitulés. La première sous-catégorie, c'est Akatami Tower, donc c'est un film apparemment, je ne suis même pas renseignée, hein, voilà. Et là, c'était thriller, suspense et enquête, et donc c'est pas forcément là où je suis pareil le plus à l'aise, parce que je lis pas forcément beaucoup de thrillers, ça m'arrive mais pas énormément, et suspense et enquête, alors suspense si on le prend au sens large, ça peut passer, mais enquête, je déteste, franchement, peut-être à part Agatha Christie. Mais sinon, je déteste les enquêtes policières. Je déteste suivre des policiers. C'est vraiment un truc que j'aime pas du tout, du tout. Et voilà. Et encore pire quand c'est contemporain, en fait. Quand c'est contemporain, ça m'insupporte. J'avais lu Charcot. J'étais vraiment... Non, j'aime pas du tout ce type de personnage, ce type d'ambiance. C'est pas mon délire. Du coup, je me suis un peu creusé la tête parce que, pareil, je ne voulais pas acheter de livres. Et là, je me suis rappelé qu'il y a pas longtemps, je vous ai filmé une vidéo où j'ouvrais mes cartons et que j'ai retrouvé un livre qui est une enquête qui se passe au Moyen-Âge. Et c'est Le nom de la rose d'Umberto Eco, qui est un petit pavé, mais qui apparemment est génial. Et je me souviens que quand je devais le lire à l'époque à la fac, je ne l'avais pas fait parce que j'avais beaucoup de livres à lire, et c'était pas celui qui me donnait le plus envie à ce moment-là. Et ma mère me l'avait lu et elle avait bien aimé, et puis de mémoire, c'était pas mal. Donc je pense que c'est l'occasion de lire et un classique et une enquête, et surtout à une époque qui m'intéresse plus, et a priori pas par un policier, en tout cas pas par un policier au sens... où on l'entend à l'heure actuelle. Donc, ça me dit bien, le nom de la rose, ça me tente bien le nom de la rose. Donc voilà, je vais pas le récupérer avant fin décembre, donc ça sera pas avant janvier, mais je pense qu'il va y passer. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est fantômes des Noëls passés, avec pour mot-clé fantômes, voyage temporel, jeu avec les époques. Alors, le premier truc qui m'est venu à l'esprit spontanément, je suis très originale, c'est... Ah bah j'ai perdu le nom, bah c'est bien. Diana Gabaldon qui a écrit... Mais c'est fou, j'ai perdu le nom. J'ai regardé la série, j'ai lu le gros pavé, le premier gros pavé, je sais plus le nom. Je suis désolée, bref. C'est ça qui m'est venu à l'idée. Sauf que je n'ai pas le volume 2, que je ne voulais pas acheter le livre dans la mesure du possible. Et là je me suis fait tilt et je me suis dit, mais les chroniques de Sainte-Marie qui traînent dans ma liseuse, puisque j'avais pris le tome 1 et 2 en me disant... Il y en a 12 ou 13 en VO, 11 en français je crois, ou 10 en français. Je vais en acheter deux d'un coup, ils étaient en promo sur Kobo, allons-y. Et donc j'ai le tome 2 que je n'ai pas lu. Et là je pense que niveau voyage temporel, voir fantôme et jeu avec les époques, on est parfait. Les chroniques de Sainte-Marie, ça rentre parfaitement. Donc les chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor, c'est le tome 2 que je pense lire, qui s'appelle D'écho en écho je crois, qui d'ailleurs m'a fait penser à la passe miroir, bref. Et pour l'histoire, eh bien en fait on suit des personnages, donc Lucie qui est le personnage principal, qui sont dans une université un petit peu particulière, parce qu'en fait c'est une université d'histoire, mais d'histoire on va dire pratique, puisqu'ils ont des capsules, ils peuvent remonter le temps à différentes époques, et ils vont dans différentes époques, évidemment grimées, hein, vous imaginez bien, pour observer ce qui se passe à certains moments clés de l'histoire, et rapporter les faits de ce qu'ils constatent, voilà. On est vraiment sur de la prise de notes, quoi, limite. Hein. Mais bref, en fait, si vous voulez, la structure de l'histoire, l'idée de l'histoire, je trouve ça génial. J'avais pas hyper accroché avec le tome 1. J'avais bien aimé, mais il y avait des choses qui m'avaient dérangé sans réussir à franchement mettre le doigt dessus. Mais
Il y a 11 tomes, donc un tome 1, c'est vraiment une introduction, quoi. Donc je me dis peut-être que le tome 2, maintenant qu'on a bien introduit des personnages et blablabla, ça sera peut-être mieux. Donc je vais laisser sa chance au tome 2 et ça me valide parfaitement cette sous-catégorie, donc ça me convient. Troisième sous-catégorie, c'est Nuit du solstice avec Angoisse et Créatures de la nuit. Alors là, je savais pas trop. En fait, j'aurais pu recaser Le Seigneur des Anneaux comme dans Dévorez-les tous. Mais je me suis dit, on va essayer, parce que je vais le lire. Donc au pire, je sais que je vais valider la sous-catégorie, donc pour Créatures de la nuit avec les orques et les gobelins. Au pire, je sais qu'elle est validée, entre guillemets, à partir du moment où je le lirai. Mais j'avais envie de faire un petit effort, et je me suis dit, pourquoi pas lire La Faucheuse, que j'ai vu passer plein de fois, et que j'ai très envie de lire depuis un bout de temps. Donc, je sais qu'il est à ma médiathèque, que je peux l'emprunter assez facilement. Donc je pense que, voilà, là je vais mettre La Faucheuse dans cette sous-catégorie, en sachant que, a priori, Le Seigneur des Anneaux peut valider ça, parce que je pense que niveau angoisse et créature de la nuit, c'est pas mal non plus. La Faucheuse, franchement, j'en sais pas grand chose, très sincèrement. Je sais que ça tourne autour de la mort, ça tourne autour de collecter les âmes. Je crois qu'il y a un personnage principal qui est une femme ou une jeune femme qui va se retrouver à devoir faire ça ou quelque chose comme ça. Bon, bref, voilà. Je n'en sais pas trop. Je sais pas si ça a rapport avec... Il y avait une série à un moment, je sais pas si vous connaissez une série américaine qui justement parlait de ça, où une jeune femme mourait, il me semble, et elle devenait faucheuse, et elle allait récolter les âmes des gens qui étaient destinés à mourir, et évidemment, lutter contre l'heure, entre guillemets, quand l'heure est arrivée, il n'y a rien à faire, quoi. Et donc elle, son travail, c'était d'apparaître aux gens et de les aider à mourir, quelque chose comme ça. Enfin, je me souviens que j'avais bien aimé à l'époque, mais il faudrait que je recherche si je retrouve le titre, et si je peux retrouver même la série, parce que je me souviens que c'était plutôt sympa. Bon, voilà. Je sais pas si c'est inspiré, si la série est inspirée du bouquin, peut-être. À voir. Le quatrième et dernier menu, si je ne m'abuse, c'est Marcher dans la neige, avec comme première sous-catégorie Vive le vent. Donc là, on va parler d'hiver, de pays froid et de voyage. Alors, là, je case un livre que je n'ai pas et que je n'ai pas acheté, mais que je veux lire depuis très longtemps, et je me dis que... Étant donné qu'il se trouve en poche et que lui il est sur ma Wish depuis quand même assez longtemps, je vais peut-être le prendre, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Donc c'est Un bûcher sous la neige de... j'ai perdu le nom. Bon, c'est pas grave. C'est Un bûcher sous la neige et je vous remets l'image de toute façon. Un bûcher sous la neige, si je ne me trompe pas, ça parle d'une jeune femme qui est arrêtée pour sorcellerie et qui se fait interroger par un prêtre, je crois, en plein hiver, tout est bloqué et elle va lui raconter son histoire. Et apparemment c'est saisissant, c'est génial et j'ai vraiment très envie de le lire. Vous voyez ça aussi, hein, ça passe dans sorcière et femme de pouvoir peut-être. Voilà, je n'en sais pas beaucoup. C'est Fletcher, Un bûcher sous la neige. Judy Fletcher, quelque chose comme ça. Bon bref. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai pas besoin d'en savoir plus parce que rien que ça, c'est suffisant pour savoir que j'ai très envie de le lire. Savoir que toutes les personnes qui l'ont lu l'ont apprécié. Voilà, a priori, c'est quand même une valeur sûre. Deuxième sous-catégorie, c'est Pommes de pin. Et là, on va parler animaux, écologie et nature writing. Dans mon challenge Dévorer les tous, j'ai mis comme ça du Aurélie Wallenstein, en sachant très bien qu'Aurélie Wallenstein, il y a toujours des animaux et il y a toujours des animaux de la nature. Je dis toujours, mais c'est pas vrai parce que finalement, dans le Dieu Oiseau, il n'y avait pas tant d'animaux que ça. Mais en tout cas, la dimension écologique est toujours présente, même dans le Dieu Oiseau. Et il y a souvent des animaux quand même, ou en tout cas, une importance des animaux. Donc je ne sais pas encore si je case Les loups chantants que j'ai casé pour Dévorer les tous mais que je n'ai pas encore acheté, ou si je case Le roi des fauves que j'ai acheté mais que j'ai pas mis dans l'autre challenge. Voilà, je sais pas. En tout cas un des deux. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Je sais que Le roi des fauves... Non, je sais plus. Franchement je sais plus. J'ai lu le résumé en diagonale histoire juste de voir à peu près si ça pouvait rentrer dans les trucs du challenge. J'ai totalement oublié mon esprit à... Parce que je veux pas en fait savoir. Donc je vais l'attaquer tel quel et je ne me rappelle franchement plus du tout de quoi ça parle. Je sais juste que les deux, c'est d'influence nordique. Enfin, il y a les loups chantants, ça se passe carrément, je crois, en plein hiver, tempête de neige et tout. Et le roi des fauves, il me semble que les prénoms étaient un petit peu avec ce petit côté nordique, là, vous savez, un petit peu viking, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je sais, et on verra, et ça me va très bien parce que, a priori, je prends pas grand risque avec Aurélie Wallenstein. Trois bouquins lus d'elle, trois gros succès, voilà. Et au pire, bah, c'est pas grave. Si ça me plaît pas, c'est pas grave. Donc la dernière sous-catégorie, c'est Patins et glace, avec comme mot-clé sport, personnages athlétiques et aventures dangereuses.
Et là, j'ai séché total. Parce que aventures dangereuses, en fait, j'en ai plein. J'ai que ça. Il n'y a que des personnages qui font des aventures dangereuses. Donc je me suis dit, au pire, je pourrais mettre quasiment n'importe lequel des livres que je vais lire rentrera dans cette catégorie et validera cette catégorie. Je voulais trouver un truc avec du sport, sauf que j'ai rien trouvé qui m'intéressait. Alors, en fait, a posteriori, je me dis, ah bah si, par exemple, quand j'ai lu Timothée le Boucher, Ces jours qui disparaissent, là, sport, ça passait, personnage athlétique, ça passait, mais j'ai déjà lu, donc c'est nul, je peux pas, voilà. Donc je sais pas, il faudrait que je voie, je me laisse cette sous-catégorie vide en me disant, si jamais je trouve un truc dans ce style-là qui m'intéresse bien, où le sport est pas en premier plan, en gros, c'est ça, quoi. Bah, je validerai, sinon, aventure dangereuse, bah, j'ai pléthore de bouquins avec des aventures dangereuses, donc en choisir un ou un autre ne change pas grand-chose à ma palle, en fait. Donc voilà, ma palle est pas énorme. J'ai mis, je vais vous dire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, ouais. J'ai mis 13 livres, ce qui est franchement pas énorme, hein. Je me suis pas fait une palle avec 2 livres par sous-catégorie. Parce qu'en fait, je me suis fait une palle juste pour me creuser un peu la tête sur les sujets, les thèmes, en fait, parce que j'aime bien faire ça. Mais je sais que plein de livres que je vais lire pour le challenge J'ai dévoré les tous peuvent valider mes sous-catégories du Cold Winter et que je ne suis absolument pas à l'abri, me connaissant capable d'emprunter sur un coup de tête n'importe quel livre à la médiathèque et qu'il valide aussi une sous-catégorie. Mais toujours est-il que ce que je ferai, c'est que je vous ferai quand même un petit bilan parce que c'est un peu ça qui est sympa, ou voir au final bah, ce que ça a donné cette histoire, est-ce que je les ai lus au moins, en fait c'est plutôt ça, est-ce que j'ai lu ce que j'avais dit ou pas. Je vous dirai si j'ai remplacé ou si j'ai changé ou voilà. Et peut-être que j'en parlerai sur les réseaux sociaux. Mais je pense pas suivre ça de manière hyper hyper assidue. Bon, je sais pas si je vais utiliser les visuels et tout, je sais pas trop encore. Je m'engage pas sur ça. Peut-être le ferai-je si je suis motivée. Mais j'ai déjà un challenge dans lequel je me suis lancée, alors qu'à l'origine je ne fais pas de challenge. Donc je vais déjà essayer de valider celui-là, hein, de mettre dans un coin de ma tête ce que je peux valider de l'autre et on verra. Voilà. Pas de pression sur les challenges. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Dites-moi ce que si vous avez fait des pales déjà, s'il y en a qu'on a en commun et si vous avez surtout des livres qui parlent de sport et de personnages athlétiques, mais où le sport n'est pas le centre de l'histoire parce que je. Voilà, ça m'intéresse pas. Hein. J'en ai vu des mangas sur le basket, sur l'escrime et tout, ça m'intéresse pas, vraiment pas du tout. Donc si c'est un aspect secondaire des personnages, comme par exemple dans Ces jours qui disparaissent, où en fait les protagonistes sont des gymnastes de haut niveau, là ça va, mais voilà, bref, donc dites-moi si vous avez des idées comme ça, et puis, ou même des romans, pas forcément des graphiques, et puis voilà. Donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à dimanche du coup pour une nouvelle vidéo. Bye bye!